Salut tout le monde, c'est Angel Absolute, on se retrouve pour un petit pack opening de 11 coffres. Alors ce n'est pas moi qui ai fait l'opening, c'est un pote qui a fait l'opening lui-même. J'étais à côté de lui lorsqu'il l'a fait et qui m'a envoyé la vidéo pour que je puisse faire un petit commentaire dessus. Mais par contre, je ne sais plus trop ce qu'il a eu, du coup, je vais le redécouvrir en même temps parce que ça a été fait il y a quelques jours, je crois. Et du coup, c'est parti, on va ouvrir le premier coffre. Enfin, pas moi, mais lui, quoi. Et voyons voir ce qu'il y a dedans. Une épique, c'est déjà pas mal. Oh, l'emote de Zenyatta. L'emote de Nel de Zenyatta, flocon de neige, c'est pas mal du tout, ça. Il veut bien sûr l'équiper, hein. Ça, c'est presque sûr. Ensuite, du croissant de Macri, ça se prend. Allez, second coffre. Ouh, légendaire! Légendaire épique! Ah! Oui, pourquoi pas? Modèle légendaire de Chopper, même si c'est pas de Noël, tant pis. Petite icône de Noël, oui, il change chaque fois. Chaque fois qu'il nomme l'icône, il change. Voilà, second coffre, pas super, mais pas mauvais non plus. Oh! Encore une épique! Et une emote de son bras. Pourquoi pas, mais c'est toujours pas de Noël. Allez, encore le coffre. Et une autre épique, qu'est-ce que c'est? Oh! C'est l'entrée en scène de Symmetra. Ouais, elle est magnifique, elle est magnifique. Il était assez content d'ailleurs, il me semble. Attention, prochain coffre, qu'est-ce que c'est? Et des rares, ouais. Ouais. Ouais, ça va. Ça passe encore. Attention, encore une rare et de la mer. Mais que de Noël. Ça, c'est déjà bien. Il y a eu que de Noël. Du coup, ça lui a enlevé plein de trucs qu'il pourrait avoir plus tard. Mais que. Donc, ça augmente les chances de légendaire. Qui a dit que la galanterie n'existait plus? Bah, pas moi en tout cas, moi j'ai jamais dit ça. Allez, plus que 5 coffres. Let's go. Oh, légendaire! Encore une légendaire, pas de Noël. Ma foi. C'est le même skin qu'on a lorsqu'on fait la chasse Yeti, donc pourquoi pas. Ça pourrait être un skin de Noël, mais bon. Voilà. Ensuite, attention. Oh, encore une légendaire. Oh, cette fois c'est vraiment un skin de Noël et c'est le Hanzo de Noël. Il est très stylé, même si bien avec le. Ils vont bientôt rework son design pour rendre sa barbe noire comme il avait dans le comic. Je trouve qu'il est mieux avec la barbe noire, hein, honnêtement. Ensuite, encore un troisième. Plus que trois coffres plutôt. Et des icônes et des répliques, rien de. Ah oui, il avait équipé l'alcool parce qu'il adore l'alcool. Ça, je m'en souviens. Ah, les plus que deux coffres. Oh, encore une célébration de Orange. Il a eu l'eau tout à l'heure. Mais il a Ouvrez préféré la toast. et pardonne comme les neiges d'antan. Quelle belle parole, Reinhardt. Suivez sa parole. Allez, dernier coffre. Sur quoi va-t-on tomber? Le suspense est à son comble. Oh, épique! Une emote de Fatale. Assise. Ma foi. Pourquoi pas. Skin de Zenyatta, une l'œil qui peut. Pourquoi pas. J'ai quelque chose pour toi. J'ai peur. Non, merci, ça ira. Ensuite, vous pourriez penser qu'il en a terminé, mais bien sûr que non. En effet, il avait assez d'argent pour s'acheter un skin, et il hésitait entre plusieurs. Il a hésité en-dessus de Dana, le chouette blanche, comme vous le voyez. Il a hésité en celui d'Anna, qu'il trouvait d'ailleurs très, très joli, hein. Il avait aussi regardé celui de Bastion.
Parce qu'il joue aussi souvent Bastion. Hein. C'est pas non plus. C'est pas très. Comment dire, acceptable, mais il joue parfois Bastion. Il avait aussi regardé Suite Chacal. Mais au final, il s'est dit, ouais, bon, il est beau, mais ça fait pas vraiment Noël, donc il. Au final, lui, il l'a pas pris. Et puis, il avait aussi regardé celui de Chopper, qu'il trouvait aussi très joli. Ouais, il avait d'abord eu celui-là l'année dernière qu'il avait équipé. Ça faisait même un an qu'il l'avait équipé. Et du coup, il avait trouvé ce skin-là très très joli. Mais il ne savait pas trop quoi faire en fait avec. Du coup, il savait pas s'il devait prendre celui d'Anna ou de Chopper. Oui, il avait aussi été rematé suite de son bras. Mais son bras, c'est pas vraiment. Comment dire, son style de jeu. Il joue pas souvent son bras, même s'il avait celui de Sucre Gorge l'année dernière. Du coup, au départ, il était à fond pour Suranna. Il était prêt à l'acheter, mais le truc, c'est qu'il s'est rappelé qu'il ne jouait absolument pas Anna du tout. Tandis que Chopper, il le joue quand même aussi assez souvent. Du coup, son choix s'est porté sur notre beau Junker. Et donc, il l'a acheté. Et sur ce, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Ma page Facebook est en description. Pareil pour mon serveur Discord. Sur ce, tchuss tout le monde!